Entre plaine et montagne, l'Isère offre environ 9000 km d'itinéraires balisés et entretenus pour votre plus grand plaisir. L'Isère, c'est aussi 5 stations de trail implantées sur différents massifs qui vous proposent un large choix d'itinéraires adaptés à tous les niveaux. Venez en Isère à la rencontre de tous les acteurs qui y vivent et y travaillent au quotidien et partagez ces espaces de beauté et de liberté. En montagne, changez d'approche pour vos déplacements et optez pour le covoiturage ou les transports en commun. Respecter la montagne, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est respecter la montagne et puis les gens qui y travaillent. La forêt n'est pas simplement un espace de loisirs, de ressourcement, de liberté, c'est aussi un espace de travail, des activités qui doivent les unes indépendamment des autres être respectées. Chartreuse, il y a aussi des espaces fragiles, il y a aussi d'autres activités, donc il faut simplement rester sur les sentiers, respecter les sites qu'on traverse. Essayez déjà d'éviter le troupeau, même s'il n'y a pas des patous, éviter le troupeau de déranger en pleine journée, d'aller déranger les brebis, ça dépend où le sont. Et après, s'il y a des patous, encore pire, quoi. Il faut aller un peu plus loin pour pas que d'abord ils se fassent mordre, et puis après, ça nuit aux brebis, quoi, de faire courir les brebis la journée quand elles mangent. Face à l'augmentation des pratiques en milieu naturel, le département de l'Isère accompagne et facilite la communication entre tous les acteurs. La montagne est un lieu de loisirs, mais c'est aussi un lieu de travail et c'est à chacun de prendre en compte les activités des autres pour une cohabitation paisible et durable. Viens là. On n'a jamais eu un problème avec un trailer. Nous, jusqu'à maintenant, tout ce qui s'entraîne, c'est super. Quand ils viennent faire l'entraînement, tout ça, ils respectent tout, quoi. On voit que c'est des amoureux de la montagne. Et qui respectent les brebis, respectent tout quand ils arrivent, qu'il y a un troupeau, ils les détournent et tout. Quand on rencontre un panneau attention battue en cours, ça n'interdit pas la randonnée, ça prévient qu'il y a sur le territoire une battue qui se déroule. Il faut venir dialoguer avec le chasseur qui va se trouver là, il va expliquer comment se déroule la chasse. Donc il ne faut pas avoir peur quand on voit un panneau. C'est un panneau d'indication et nullement un panneau d'interdiction. Donc, il est important de partager l'espace forestier, qui n'est pas simplement une terre d'accueil, mais aussi un espace de travail. Et quand une signalétique est installée, il est demandé à tout usager de la respecter. Partageons cet espace de manière courtoise et respectueuse. Les gens, les randonneurs, les trailers, les familles, c'est toujours un bonheur en refuge. On est content d'avoir découvert parce que ça nous fait une bonne animation et ils sont très sympas. Bienvenue au refuge du Taillefer. L'ONF gère la forêt pour que tout le monde y trouve sa place et nous sommes heureux de vous y accueillir. Et on aime accueillir les gens, Chartreuse. Oui voilà, le territoire appartient à tout le monde. Et vous êtes le bienvenu. Amis trailers, amis randonneurs, à bientôt en Isère. Merci à tous les organisateurs de trail, à tous les acteurs de la ville locale, à tous les trailers qui font que de magnifiques événements se déroulent sur notre territoire.